Comment vont mes loulous chéris? Alors, comment vous commencez votre lundi? Moi, je suis au studio de Vox Africa. Comme tous les lundis, pour tourner la solatitude. Vous allez bien, mes loulous chéris? Bon, j'ai fait ce direct-là. Qu'est-ce que vous pensez de mon smoking? On va garder ça. Je sens que le pompon va respirer un peu. On va garder cette coiffure-ci pour longtemps. Alors, comment vous allez trouver ma tenue de samedi? Je veux les commentaires pour la tenue de samedi. Comment vous avez trouvé la tenue de samedi? La tenue de samedi était comment? Ah, mon artiste Bébéto, il est burkinabé. Non, mais moi, je veux qu'on parle de ma tenue de samedi, là. Samedi, samedi. Samedi, là, la tenue, là, était comment? Vous savez que moi, je parle plus mode que autre chose. La mode, c'est plus. Ah, coucou, ma préférée. Tu étais waouh. Juste magnifique. Good morning. Et vous parlez anglais ici, là, maintenant? Ça ne monte pas ce truc. Bon, il faut qu'on apprenne à faire des directs quand même. Oh, le cœur. Je vais commencer à dire bientôt, donner les codes. Vous savez que j'apprends à faire les directs, non? Non, pardon, il fallait doucement parce que sinon moi je fuis vite. Bon, ma tenue de samedi là, c'était comment? J'ai adoré personnellement, tu as osé et c'était super bien. Merci. Vous savez que moi, je ne m'habille jamais comme tout le monde. Moi, j'ai créé le style. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Le style, il faut le créer. Il faut avoir son identité vestimentaire. Et pour ça, il faut oser. Il faut oser, il faut prendre les risques.
L'habillement, c'est pour les gens qui prennent les risques. C'est pour ça qu'il y a les créateurs. C'est quoi créateur? C'est quelqu'un qui crée. C'est pour ça que ces grandes maisons de couture travaillent avec des créateurs parce que c'est eux qui créent le style. Tu crées ton style et tu l'imposes aux gens. Donc, c'est ce que moi, je fais à ma manière. Je crée. Par exemple, samedi, je vais vous dire, à la base, j'avais pensé porter mon pantalon noir en velours. Et le haut, il est le haut, vous ne l'avez pas vu parce que je ne voulais pas justement. Je devais être tout en noir, juste avec les lunettes. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment est-ce qu'on appelle ce que j'ai mis sur la tête. Ce n'est pas un chapeau, on appelle ça, c'est un bonnet. On appelle ça bonnet. Mais juste que c'est un bonnet en perles. Donc, samedi, j'avais prévu depuis 2 jours de porter juste mon ensemble noir. Et devant mon miroir dans la chambre, au fur et à mesure, j'ai dit, porter tout noir, je vais être comme Madame Tout-le-Monde. Et comme je ne suis pas Madame Tout-le-Monde, j'ai dit, OK, je vais personnaliser mon style. Alors, j'ai d'abord mis le bonnet. C'était bien avec la ceinture. À un moment, j'ai trouvé qu'avec la ceinture, ça allait être too much. Mais too much, c'est moi. C'est ça la différence qu'il y a entre les autres et moi. La différence, ce que moi, je sais faire, c'est mettre tout en vrac. Excusez-moi. Moi, je mets tout en vrac. Mais j'essaie d'agencer les couleurs qui vont ensemble. Si la tenue que j'ai portée samedi, on donne la même tenue à quelqu'un d'autre, je vous promets que cette personne va être comme le sapin de Noël, malgré que le sapin de Noël est beau. Mais ça ne va pas être beau. Mais comme moi, j'essaie d'agencer et je prends les risques et j'assume ce que je porte, c'est pour ça que ce rendu-là, vous avez vu qu'il était magnifique. D'autres ont trouvé qu'il était chargé, mais il était chargé comment? Moi, je suis grande, je fais 1,80 m. Déjà, donc, je peux me permettre de charger des choses sur moi. Mais en tenant compte des couleurs, c'est important de tenir compte de ça. Donc, quand on ne sait pas s'habiller, on se limite sur 3 couleurs. Moi, je peux mettre 6 couleurs, mais je fais attention qu'il y ait le rappel entre toutes ces couleurs-là. Donc, comme je disais, j'avais porté ma tenue noire, ma ceinture et mon bonnet. Et j'ai trouvé que jusque-là, ça n'avait pas encore ce que je voulais. Alors, j'ai rajouté les lunettes que vous avez vues, ma paire de lunettes Gucci que j'adore, qui m'a été offerte par ma fille Jolie Gomez. Du coup, j'ai rajouté mes lunettes. Et jusque-là, je ne sentais pas ce que je voulais. Alors, dessus, vous allez voir que c'est un kimono. En fait, ce que je porte en haut, c'est un pyjama en soie et du velours. Dans ce pyjama-là, il y a de la soie. Vous l'avez vu, ça fait smoking. Et du velours. Et c'est comme ça que j'ai agencé tout ça. Jusque-là, je n'étais pas satisfaite. J'ai dit, OK, il faut que je rajoute la pièce maîtresse. Et la pièce maîtresse, c'est ma fourrure. Et c'est comme ça que j'ai dit, waouh, là, je l'ai. J'ai mon look. Et quand je suis sortie de la maison, j'arrive dans le taxi me dit, waouh, madame. Quand le taxi m'a dit waouh, j'ai dit bon, voilà, c'est bon, j'ai ma tenue. J'ai ma tenue et c'est comme ça que je suis allée à la conférence d'Emmanuel Keita, qui a été un succès total. Les gens sont arrivés en retard parce qu'il a plu. Moi, déjà, je suis arrivée en retard. Je suis arrivée, il était 19h30, je crois, alors que je voulais arriver à 19h. Mais il a plu, les voitures, ça ne roulait pas, la chaussée glissait. Et ceux qui n'ont pas de voiture, qui venaient en transport en commun, il fallait avoir un parapluie. Mais vraiment, c'était un succès, succès, cette conférence de presse. Elle a su, et comment on appelle ça? Parce que, en fait, c'était quoi? Comme il y avait un plateau, c'était très bien. Elle a su vraiment, hein, elle a su marcher sur le plateau, prendre l'espace, elle marchait partout, elle parlait, rigolait, elle faisait ça. Moi, j'ai coulé une larme quand elle a parlé de sa mère. C'était juste magnifique, cette conférence de presse. Une première, vraiment, je pense que Manette a trouvé son couloir. Comme j'ai l'habitude de le dire, que chacun son couloir. Je crois que elle, oh, ce truc, j'aime. Je pense qu'elle a trouvé son couloir à elle. Donc, pour l'encourager, il va falloir que nous, Africains, nous apprenions à encourager les gens, à nous encourager parce que nous sommes à la diaspora et la vie n'est pas facile ici. Je parle un peu de moi en 2 secondes pour ceux qui me connaissent.
Moi, j'étais beaucoup dans la nuit parisienne avant, il y a 5 ans, avant de faire les reins du shopping. J'étais dans la nuit parisienne. Mais tous les week-ends, j'étais dehors. Tous les week-ends, j'étais dehors. Dieu merci. J'ai une amie, une femme d'ailleurs, qui est une sœur à moi aussi, qui est à Bruxelles, qui m'a inscrit dans les reins du shopping. Et ça a marché. C'est comme ça que Vox Africa, Cathy Chrissy, m'a amenée à Vox Africa. Et aujourd'hui, je suis là. Il y a des gens, il y a des jours où c'est pas facile, mais j'ai des gens qui m'encouragent et qui croient en moi. Donc, il va falloir que nous, les gens de la diaspora, quand nous avons quelqu'un qui opte pour quelque chose, qui veut faire quelque chose, il faut qu'on apprenne à s'encourager. Ce n'est qu'en s'encourageant que nous pouvons. Je peux te faire un petit bisou là. Ouais. C'est Benito de Londres. Alors, ça va les amis? Donc, il va falloir qu'on apprenne à s'encourager, à se soutenir. C'est important. Parce que, Benito, il va falloir qu'on apprenne à s'encourager. Quand l'un de nous fait quelque chose, qu'on tienne sa main et qu'on le hisse plus haut. C'est important. Ça sert à rien de se mettre la banane, le pot de banane sur la route pour qu'on glisse. Parce que je vais vous dire, quand une personne de la diaspora tombe, s'il vient du Cameroun, c'est comme si c'est le Cameroun qui est tombé. Si une personne de la diaspora, un Centrafricain tombe, c'est un Centrafricain qui tombe avec le drapeau de la Centrafrique. Ah ben, quand un Africain échoue, c'est toute l'Afrique qui échoue. Il va falloir que vraiment qu'on se mette ça dans la tête et qu'on se réunisse, quoi. Vous savez, j'aime pas les gens qui disent, il y en a qui disent que les Européens, les Blancs, nous ont maltraités, nous ont fait l'esclavage. Mais c'est fini tout ça, gars. C'est fini. Tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, nous sommes libres, en guillemets. Pour ceux qui sont à la diaspora, on a la chance. On a la chance de faire des choses, que ce soit le commerce, que ce soit l'école, apprendre à l'école. On a tellement des ouvertures ici que il va falloir qu'on se concentre à ça et faire des belles choses. Ça sert à rien de se rentrer dedans chaque fois. Parce que ce qui se passe sur Internet, je vais vous dire, c'est pas la honte pour une seule personne. C'est la honte pour tout un continent. Quand tu insultes ton frère africain et que les Européens tombent sur ta page, mais tu fais honte à toute l'Afrique. Tu fais pas honte à Aïcha Sall parce que tu as insulté Aïcha Sall. Non! Parce qu'Aïcha Sall, on la connaît pas. On va dire la fille, c'est une Africaine, la Camerounaise là, l'Ivoirienne là, la Sénégalaise là, l'Éthiopienne là, la Sud-Africaine là, la Malienne là, la Burkinabé là, la Togolaise là, la Béninoise là. En fait, c'est ça qui ressort. C'est le drapeau de ton pays qui ressort. Ce n'est pas la personne que tu insultes ou bien alors que tu ramènes ou que tu rabaisses qui sont. Non! On va dire, mais Aïcha Sall, elle sort d'où? Elle sort du Cameroun et c'est le verbe jaune en fait qui est vilipendé. Ce n'est pas Aïcha Sall, parce qu'Aïcha Sall, c'est no, no way, c'est personne en fait. Aïcha Sall, c'est personne. Mais on demande toujours la nationalité de quelqu'un. C'est de quelle origine tu es? Dès que ton origine sort, bam, c'est le drapeau là qui est souillé. Donc vraiment, mes chers frères, je n'ai pas pour habitude de faire les directs, mais je pense que je vais commencer à prendre quand même 10 à 15 minutes, une fois comme ça en passant quand je suis au studio, pour essayer de parler, quoi, parce qu'il y a trop de haine sur Internet. Et moi, ça me fend le cœur, quoi, quand je vois ça. Parce que nous, Africains, on a du potentiel. Moi, aujourd'hui, qui vous parle, je viens de nulle part, moi. La dernière fois, j'ai mis un post pour dire que je ne sais pas d'où je viens, mais je sais d'où je viens. Mais quand j'ai dit que je ne sais pas d'où je viens, ça ne veut pas dire que je ne connais pas mon village, ou je ne sais pas que je suis Camerounaise, ou Yabassi, ou quoi que ce soit, grandi au Bénin. Je connais tout ça. C'est une façon de dire que on a tellement souffert dans la vie, on est passé tellement par des moments difficiles, et aujourd'hui, on essaie de sortir la tête de l'eau. C'était ça mon message. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas d'où je viens. Moi, je sais très bien d'où je viens. Mais il faut qu'on se soutienne. Il faut qu'on se soutienne vraiment. Il y a trop de haine sur Internet. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête cette haine-là. Et vous savez, les gens, on peut avoir des problèmes, même dans la famille. Tu peux avoir des problèmes avec ton père, ta mère, ton frère, ou bien même ton mari ou ton enfant, tu sais. Et moi, il y a des moments où je reste une semaine. Je boude ma mère, je boude ma tante, je boude même mon homme. Mais ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Mais on n'est pas obligé de venir dans les réseaux sociaux avec nos problèmes. C'est pas possible. On n'est pas obligé de le faire.
Maintenant, on peut faire le game, comme ils appellent, on va faire le game. Si tu fais le game, c'est bien de faire le game, mais fais le game dans l'élégance. Il y a le game dans l'élégance. Ça veut dire que même en faisant le game, on reste élégant. Mais là, le game que je vois, c'est un game dans la vulgarité. Et la vulgarité n'a jamais hissé quelqu'un au ciel, hein? Jamais. Jamais. Tu peux être belle, intelligente, jolie, élégante, quand tu es vulgaire, quand les mots qui sortent de ta bouche là sont grossiers, je suis désolée. Tu peux être habillée en Chanel de la tête jusqu'aux pieds, tu es comme ça. Tu es comme ça. Alors que tu peux être illettré, comme on a l'habitude d'insulter les gens illettrés sur Internet, tu peux être illettré. Mais je te jure, quand tu as les bonnes manières, tu es plus respecté, tu es respectable et tu te fais respecter que celui qui est intelligent et qui est vulgaire. Je vois les femmes sur Internet qui sont vulgaires. Moi, je ne comprends pas. Une femme ne peut pas être élégante. Une femme ne peut pas dire qu'elle est élégante et être vulgaire. Non. Ça doit vous donner raison aux hommes qui disent que « Sois belle et tais-toi ». Non, non, non. On ne peut pas dire « Sois belle et tais-toi ». Non. La beauté de quelqu'un, c'est quand il ouvre la bouche. Quand tu ouvres la bouche, qu'est-ce que tu dis? Et ceux qui disent là qu'ils sont influenceurs, on influence qui en fait? Comment on peut influencer quelqu'un dans les insultes? Comment on peut influencer quelqu'un dans les insultes? Moi, j'ai envie de comprendre. Comment on peut insulter quelqu'un dans la vulgarité? C'est impossible. En fait, non. Tu impactes quelqu'un dans la vie quand tu prônes quelque chose de bon. C'est ça. Parce qu'il faut que je commence même à expliquer aux gens c'est quoi on appelle influenceur, c'est quoi être blogueur. Il va falloir que je... Il faut expliquer ça. Parce qu'il faut qu'on... Chacun dans son couloir, c'est quoi influenceur? C'est quoi blogueur? On impacte qui? Tu impactes comment? C'est quoi impacter dans la vie des gens? Parce que si tu impactes dans la vie des gens en étant vulgaire, you have problem. On a un problème. On ne peut pas impacter quelqu'un en étant vulgaire dans son langage, dans sa façon de se mettre, dans sa façon de s'exprimer. Ce n'est pas possible. Une femme doit être élégante. L'élégance commence par la parole. L'élégance, ce n'est pas les habits. L'élégance, ce n'est pas parce qu'on a porté du Louis Vuitton. L'élégance, ce n'est pas parce qu'on a porté du Louboutin. Et puis Louboutin, c'est dépassé ça. Quelqu'un qui connaît la mode ne peut même pas acheter Louboutin. Il vient montrer que je suis chez Louboutin. Ça, c'est vulgaire, ça, Louboutin. Ma première paire de Louboutin, Jade avec, ça fait 12 ans. L'élégance, ce n'est pas venu montrer. Une femme ne peut pas marcher, elle croise au pied parce qu'il faut qu'on voit qu'elle a porté Louboutin. C'est vulgaire. C'est vulgaire. Quand on est élégant, on est fin. On peut porter de la marque, mais dans la finesse. Vous avez compris, non, mes loulous. Bon, je voulais vous parler aujourd'hui parce que je vois beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. Et comme moi, mon pouvoir, c'est la mode, vous savez. J'ai tenu quand même à dire ça que mes sœurs africaines, soyons plus classe. Soyons classe. La classe d'une femme. La classe. Moi, je vois les femmes qui font les directs ici. Elles sont d'une classe. Quand je les regarde, je dis, waouh, on peut être classe comme ça. Mais d'autres sont là. Elle a porté mes corps de la tête jusqu'aux pieds. Elles ont les bracelets qu'elles portent à ce moment. Le gros bracelet Hermès, en plus, c'est du faux qu'elles portent. Le bracelet Hermès, là, et toutes elles ont ça maintenant. Et puis, elles marchent avec ça. Il ne faut pas être vulgaire, gars. Non. Tu ne peux pas. Soyez élégantes, les filles. L'élégance, l'élégance. Joël, Karine. Et soyez élégantes, les femmes. Moi, les hommes, là, je ne vais pas parler des hommes parce que j'en ai un. Dans la team, vous savez, Benito de Londres, c'est un homme très élégant. Il est très élégant. Et ça m'étonnerait qu'il soit vulgaire, parce qu'il sait que tu ne peux pas être élégant et être vulgaire. Dans la vulgarité sur Internet, là, mes soeurs, pardon, on va arrêter. On va arrêter ça. Et puis, bizarrement, c'est beaucoup les femmes mariées. Elles sont mariées, elles sont vulgaires sur Internet. On peut faire ça. On peut être marié, être vulgaire sur Internet. Non. Nos enfants vont grandir demain. Ils vont regarder ça. Comment ça va se passer? Parce que Internet, là, Google garde tout. Nos petits-enfants. Oh, mais tu sais, ta grand-mère s'appelait Aïcha Sol. Elle faisait une émission sur Voice Africa. Tiens, deux émissions. Et l'émission de cuisine, une star dans ma cuisine. Et la seule attitude. Ah, viens, on va aller regarder sur Internet. On trouve ta grand-mère qui sortait des conneries.
des grossièretés comme ça là dans la bouche. Nos petits-enfants vont avoir honte. Les petits-enfants là vont avoir honte. Alors que si on dit, ah, tu sais, ta grand-mère, c'était, Chimène, Félicia Lily. Ta grand-mère, c'était Félicia Lily. Ah bon? Viens regarder sur Google. On trouve une dame avec de la carrure, de la classe, intelligente, swag, qui véhiculait un beau message, qui passait un beau message à ses frères africains. Ça, ton petit-fils, il sera content d'avoir une grand-mère comme toi. Comment tu appelles la noire américaine qu'on a mis autour de la dernière fois là? Comment tu l'appelles? Celle qu'on a mis là où on était les présents là, la semaine dernière. Et regardez Josephine Baker. Regardez Josephine Baker. Pour les personnes connaissent son histoire. Vous avez vu ces petits-enfants, comment ils étaient contents. C'est ça. Mes chers frères, quand vous voulez impacter, cherchez le bon couloir. Donnez des bons conseils. En plus, vous êtes suivis comme, je ne sais pas. Vous êtes suivis, mais pour véhiculer quoi? Aujourd'hui, tellement les gens s'ennuient en Afrique que quand tu dis, moi, je ne vais pas sortir le mot-là de ma bouche, mais quand tu sors des gros mots, c'est là où on te suit comme des moutons. Du coup, on est devenu des moutons. Quand tu viens avec un bon message, on ne te follow pas. Tu viens avec un message bizarre, ils viennent comme ça, comme des mouches et des moutons à tout te suivre. Ça ne sert à rien. Bon, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. En ce moment, ça me fait signe. Je vais aller tourner mes émissions. Oui, parce que comme ça, c'est comme ça que je gagne moi ma vie, en tournant mes émissions. Et ça va rester aussi. Mes petits-enfants vont voir que mamie, elle a travaillé dur. Donc, sur ce, mes loulous, je vous embrasse. On fera un autre direct lundi prochain. On parlera encore de vêtements, du comportement et de tout ça. Je vous embrasse. Bisous. Et bon après-midi pour ceux qui sortent de table. Ciao, ciao. Bon, on arrête ça comment?